Aujourd'hui, direction Virton, on va aller assister au concours du roi du pâté Gaumais. Je vais même y participer. Alors, attachez vos ceintures et suivez-moi. Alors, je vais faire un petit résumé rapide sur ce qu'est le concours du roi du pâté Gaumais. C'est très simple. Depuis 1959, le Royal Comité des Fêtes de Virton organise au kiosque de Virton donc, le concours du roi du pâté Gaumais dans le cadre de la foire aux amoureux, donc, qui a lieu tous les ans, sauf l'an dernier et en 2020 à cause du Covid. Donc, les deux éditions n'ont pas eu lieu. Donc, cette édition, ça doit être, si je ne me trompe pas, la 61e. Et en quoi consiste ce concours? C'est très simple. Il y a 15 concurrents maximum qui vont devoir manger un maximum de pâté Gaumais sur un temps imparti qui est de 20 minutes. À la fin de ces 20 minutes, on va peser ce que chacun a mangé, enfin du moins ce que chacun n'a pas mangé vu qu'il pèse avant et après. Et en zone soustraction, bien, on a le poids que chacun a mangé. Alors, pour parler de record par exemple, c'est Dominique Palatte qui a lui remporté 9 fois ce concours, qui a le record. Depuis 2014, il a mangé 1708 grammes de pâté Gaumais, ce qui est impressionnant. Je pense qu'il sera là aujourd'hui, ainsi que Jean Maquel qui est également tenant de, je crois, 13 victoires. Donc voilà, donc le vainqueur reçoit une couronne. Et s'il remporte le concours 3 fois consécutivement, il peut la garder. Donc voilà. Bah maintenant, je vais retrouver mon pote Pierre, qui va me servir de coéquipier aujourd'hui, pour tenter de battre ce record. Bon, évidemment, on y va pour s'amuser, hein. On n'a aucune chance de battre ce record. Donc je vais retrouver mon ami Pierre, et on va aller s'inscrire, et on se retrouve sur place. Maintenant, je vais vous montrer les pâtés Gaumais du concours. Ils sont juste là derrière moi, en dessous du kiosque. On va aller jeter un œil à tout ça, voir s'ils sont bien préparés.
Maintenant, un peu de dessert, hein? Oh non, un petit peu. Allez, un petit peu. Et voilà, on a fini. On va attendre les résultats maintenant. En pire, ça a été les deux derniers du classement général. On va attendre le classement, on va voir. Un kilo, 188 grammes. S'agit-il de Jean ou de Johan? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Johan? Eh bien, c'est pas lui, c'est Jean Paquet pour la 14e fois. Voilà, donc ce concours du roi du pâté gourmet se termine ici. Donc je suis en compagnie de mon ami DJ, que vous avez déjà vu dans une vidéo que j'avais fait au mois de juillet sur Virton. Donc je vous mettrai en description le lien de cette vidéo. Je vous mettrai également en description tous les liens sur le pâté gourmet et le concours. Comme ça, vous aurez toutes les infos que je n'ai pas dit dans la vidéo. Alors DJ va nous en dire un petit peu plus sur ce concours, l'organisation, qui offre le pâté, où est-ce qu'il est fait, quel était le nom de l'harmonie qui jouait derrière nous, etc. Là, un peu sur la confrérie Saint-Arnoul également, voir qu'est-ce qu'ils font là. Donc voilà, on va laisser parler DJ quelques secondes. Mais mon cher Marc, merci de ta participation aussi, hein, très sympa. Score honorable, mais ouais. qui t'invite à revenir à recommencer parce qu'en fait c'était ma deuxième participation. Donc la première fois c'était en 2010, donc ça remonte déjà à perpète. J'avais fait 840 grammes et cette année j'ai fait le score de 628 grammes, donc pas terrible, mais j'ai augmenté de place au classement. J'ai 10e, là je suis 9e, donc finalement je vais améliorer quand même un record, on va dire. Alors les pâtés sont offerts par l'ASBL Pâté Gourmet, qui elle se fournit aux boulangeries Bitaine ici à Virton. Donc pâté gourmet, c'est un produit donc labellisé et sous IGP. Voilà, donc souvent chez Bitaine on le prend pour essayer d'avoir une constance dans les résultats. C'est pas une question de qualité parce que tous les autres boulangers en font de l'excellent aussi. Voilà pourquoi. Le concours est, je dirais, un peu coloré par la présence de la confrérie Saint-Arnoul de Chigny, qui fait justement la promotion du pâté gourmet et la bière La Houteuse de Chigny. Un fond musical, ouais, par l'harmonie, pour encourager les concurrents. L'harmonie Royal Concordia de Virton aussi, hein, des fidèles depuis de nombreuses années, qui anime le kiosque à l'occasion du concours. Voilà, toute cette bande, belle petite bande-là, font que ça se passe bien, que l'organisation est pérenne tous les ans, on va dire. Du monde qui suit, ouais, beaucoup de monde ce matin, c'est sympa. C'est vrai que ça s'est vu d'un coup, à 10 minutes du concours, il n'y a quasiment personne là sur la petite place, et d'un coup, c'était rempli. Donc, c'était nickel. Donc un concours qui dure 20 minutes, hein, top chrono, et que le meilleur gagne. Hein. Voilà, en l'occurrence pas moi. Donc parfait, on va clôturer là-dessus. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis partager. Donc dans la région, je pense qu'il y en a pas mal qui sont peut-être pas au courant que ça existe, le concours pâté gourmet. Donc pour attirer plus de monde, partagez-le à vos connaissances. Et l'année prochaine, on vous attend ici à Virton pour le concours. Donc voilà. Un petit dernier mot éventuellement. Impec. Non, mais merci à tout le monde ta participation. Et voilà, ça c'est la fête à Virton tous les 26 décembre. C'est ce qu'on appelle la foire aux amoureux. Culture locale. Voilà, avec le roi du pâté gourmet le matin, avec les repas choucroute tout faille dans les caves de l'hôtel de ville. Et le traditionnel jeu des amoureux tout l'après-midi dans Virton. Et voilà, les gens ici à Virton vont aller de café en restaurant, boire un verre, chanter, danser jusqu'à pas d'heure. Voilà, c'est la fête ici à Virton. Parfait, c'est là-dessus qu'on va conclure. Donc d'ici la prochaine vidéo qui sera dans 2 semaines, portez-vous bien. Allez, ciao.